Voici ce que je voudrais vous proposer. Voici ce que je voudrais vous proposer. Je voudrais proposer que chacun prenne la parole au nom de l'être qu'il est pour faire un cadeau aux humains pour 2010. Je vous donne une caricature, l'escargot qui offre sa lenteur aux humains. D'accord ? Je vous propose juste un petit temps de silence pour penser aux qualités de l'être que vous avez choisi et que chacun à son tour puisse offrir un cadeau aux êtres humains pour le 2010. Gaëtan, je ne veux pas ouvrir ton mail. Bon, il n'y a pas une autre manière, on va croire. Il n'y a pas une autre. Ça va prendre quoi? Moi, je veux bien commencer. Alors moi je suis le gecko, j'avais tiré un tarot des animaux pour le 31 décembre en demandant quel était l'animal qui voulait parler à travers moi le 31 décembre et j'ai tiré le gecko. C'est pas très facile à faire mais... Donc je suis le gecko. Et le gecko est une sorte de petit lézard très particulier parce que c'est le seul des reptiles lézards qui a un chant. Et il fait gecko, gecko. Et aux Philippines, c'est lui qui annonce la pluie ou le beau temps. S'il chante un nombre pair de fois, il va pleuvoir. S'il chante un nombre impair... Il chante un pair, s'il te plaît. Cette carte symbolise la capacité des êtres à dire leur saine colère. Et à ne pas la garder à l'intérieur, mais dire sa saine colère à l'extérieur. Je voudrais donner ça à l'humanité pour 2010, c'est prendre le temps de dire sa saine colère face à autre chose qu'on ne supporte plus. Voilà. Alors je voudrais donner de la douceur à l'humanité. Moi je suis le laurier et je voudrais donner du goût à vos potages de l'année prochaine. Moi je suis la baleine, et comme vous savez, la baleine c'est l'animal qui a eu l'intelligence de retourner dans l'eau, le seul mammifère qui est, enfin un des seuls. Et donc avec ça je voudrais témoigner toute la grandeur qu'il y aurait à l'homme à retourner dans l'eau, puisque vous savez que l'eau c'est les qualités féminines, donc à retrouver toutes les qualités féminines, et, tout en gardant la structure. Si, le feu. Et la
moi je suis le rage. La colère. L'énergie. Bon, pour cette année 2010, je vous souhaite de saines colères. Vous ne gardez pas en vous. Limitez quand même un peu la casse. Et puis, on peut aussi formuler le vœu que le monde avance un peu pour dompter l'énergie durable. Oh, oh. Le gecko s'associe à toi. Gecko. Et moi, je suis le hérisson qui pique. Oh. Alors je voudrais donner à tout le monde de l'énergie de supporter les gens qui piquent. Merci l'hérisson. Moi je suis le chat. Et toi aussi tu es le chat. Et au contraire de l'hérisson qui pique, je suis qui n'a pas déjà été le chat. Beaucoup de douceur à tout le monde. Et de joie. Oh, mais qui est ça? La neige était blanche. C'est la page blanche. La blancheur, la grandeur, c'est la délicatesse, c'est le flocon. C'est le silence. C'est à l'intérieur. Quand il neige, il y a tout un peu de... pas écouté, mais donc voilà, ça fait quand même aux choses de prendre un peu le temps avant de se donner. Et c'est ça que je me souhaite pour que voilà, je redescende un peu plus loin et de pouvoir offrir cette blanche. Merci la mère. Les lapins, il a de grandes oreilles. Et donc, j'offre pour cette année d'écouter les autres, mais surtout écouter la nature, écouter la terre qui crie si souvent actuellement, et puis d'écouter le monde, et surtout d'entrer en dialogue amoureux avec toutes choses qui existent sur cette belle terre. Voilà, entrer en dialogue amoureux. Oh, lapin, va t nous apprendre. Les lapins, c'est connu, ils aiment bien les dialogues amoureux. Hein. Chaud. Ils sont si nombreux. Chaud. Chaud. Voilà. Ah. Les lapins, la paix, je dis. Lapin. Avec plaisir. Bon, ben moi je suis la mer, je suis l'eau, et vous savez que je vous ai fait don de cette eau en chacun de vous, et ce que je vous offre pour l'année qui vient, c'est ma plénitude. Oh, merci la mer. Pas rien. Ah,